Combien de nombres entiers compris entre 1000 et 2000 ont leur chiffre ordonné par ordre strictement croissant? Par exemple, 1689 est un tel nombre parce que 1 est strictement plus petit que 6, 6 est strictement plus petit que 8 et 8 est strictement plus petit que 9. Appelons petit n le nombre de tels nombres. C'est le petit n que nous cherchons. Puisque tous ces nombres sont compris entre 1000 et 2000, leur chiffre de milliers est partout 1. Écrivons d'abord cette première colonne. Là, nous écrivons tous les nombres commençant par 1, 2, 3. Donc, nous avons ces 6 possibilités. Ensuite, nous écrivons tous les nombres commençant par 1, 2, 4. Ça, ce sont 5 possibilités. Les nombres commençant par 1, 2, 5, il y en a 4. Ceux qui commencent par 1, 2, 6, il y en a 3. Ceux qui commencent par 1, 2, 7, il y en a 2. Et puis, il y en a un seul qui commence par 1, 2, 8. Combien de nombres avons-nous dans cette première colonne? 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Donc, autant. Maintenant, la deuxième colonne. Nous voyons d'abord tous les nombres commençant par 1, 3, 4. Il y en a 5. Les nombres commençant par 1, 3, 5, il y en a 4. Les nombres commençant par 1, 3, 6, il y en a 3. Ceux qui commencent par 1, 3, 7, il y en a 2. Et il y a un seul qui commence par 1, 3, 8. Combien de nombres avons-nous dans cette deuxième colonne? C'est 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Donc, à cette somme-là, nous additionnons cette somme-là. Et pour les colonnes qui suivent, on fait un raisonnement semblable, dont viennent s'ajouter ces quatre termes-là. Donc, en tout, n est égal à la somme de ces 6 nombres, c'est-à-dire la somme de 21, 15, 10, 6, 3 et 1, ce qui donne 56. Et par conséquent, le A est la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade de mathématiques.